Donc, c'était bien. Ça m'a donné tout de suite envie, en même temps que ça m'a énormément gênée. Ah oui. Sí, sí. Donc oui, il y a les dialogues comme ça très 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 crus, très sexuels de Patty, qui sont inspirés d'un personnage réel, d'une amie que vous connaissez qui un soir s'est mis à raconter ses histoires. Et puis d'autre part, c'est un film sur un lieu qu'on voulait faire, c'est en l'occurrence au cœur de la forêt. Donc il y a toute cette dimension un peu de conte, un peu fantastique, mais qui est en rapport aussi avec l'enfance. C'est-à-dire que Caroline, plus elle avance dans le film, plus il y a une sorte de régression, elle repart aussi en enfance. Donc ce fantastique, il est lié un peu à ça. Et qui n'est pas si fantastique que ça, parce que c'est dans des régions et des forêts où c'est assez facile de se promener un soir d'orage et de croiser des animaux dont on ne sait pas trop ce que c'est, et d'avoir très très peur. C'est plutôt une manière de traiter par le cinéma. On n'a pas voulu faire un film psychologique sur Caroline dans ses rapports à la mère qu'elle n'a pas connue, à ses parents, etc. Donc le traiter cinématographiquement, c'est emprunter un peu avec ces images-là, l'idée du fantôme qui revient aux origines du cinéma, le cinéma fantastique, mais voilà, c'est plutôt contre la psychologie qu'on s'amuse à parcourir des territoires de cinéma, comme ça, mais qui existent, qui sont en nous, qui sont un peu la partie inconsciente qui nous habite.